La fumée nébulée me fait déballer des bulles de moi. Et on dirait que ça t'intéresse, encore un verre au cœur. Et je dirais que je suis fou de toi et que j'éteins le reste, le dis pas. Sinon tu vas te sentir indispensable. Et tu m'as dit, restons sages, restons secrets comme le bruit des vagues. Passé l'été, ça tenait pas, c'est devenu je veux te revoir. Je veux te revoir. Je ne veux que toi. Je veux te revoir. Mon ego m'a dit mais t'es con, bien sûr que les kilomètres comptent. Moi je peux plus penser quand c'est qu'on se voit. Plan séquence des hanches étalées sur moi. On a dansé jusqu'à 4 heures dans ton appart. Des filles j'en ai aimé un tas. Je t'aurais pas dit qu'elles étaient à part. Allongé sur le sofa, perdu dans tes pensées. T'es si fascinante et même les longs silences me paraissent pas si lents. Les heures passent à chaque battement de tes cils. Je veux que le sable cristallise. Jamais j'aurais cru pouvoir tomber amoureux d'une fille valise. D'une fille valise. On en a fait des allers-retours et c'est peut-être ça l'amour. Paris en bourg, c'est peut-être ça l'amour. On en a fait des allers-retours, ouais c'est peut-être ça l'amour. On en a fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. On en a fait des allers-retours, ouais c'est peut-être ça l'amour. On en a fait des allers-retours, des allers-retours. T'es en retard pour le dernier train de Lille. Tu l'as raté, j'ai dit désolé. Mais j'ai pensé reste ici. Reste ici. Reste ici. Reste ici. Bah, je m'appelle Tristan, j'ai 20 ans et je fais de la musique sous le nom de Ara. Voilà. Bah, c'est un perroquet exotique, le Ara, avec plein de couleurs et j'aime beaucoup tout ce qui est coloré. Du coup, je crois que c'est un argument valable. La fumée nébulée. Bah, en fait, c'est mon frère qui faisait de la techno à la base. Et donc moi j'ai vraiment été bercé à ça étant petit et je crois que ça m'a un peu mis les pieds dedans parce qu'il avait plein de machines de partout et ça m'a trop intéressé. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui et je fais de la musique et je suis en école d'ingénieur du son parce que c'est vraiment un truc qui me passionne, tous ces métiers là. Sinon tu vas te sentir indispensable. Bah, j'ai sorti un EP qui s'appelle Petit Prince en 2018, voilà, que je trouve plus trop abouti. Enfin la musique que je fais a vachement changé entre temps, du coup mais il existe, donc vous pouvez aller le voir sur Spotify et tout ça. Ouais, bah en fait, moi je viens de Toulouse à la base, et à Toulouse j'ai pu en 2019 faire vraiment pas mal de scènes, notamment le métronome et le bikini, qui sont quand même des grosses jauges à Toulouse, donc c'est à chaque fois des super expériences, et tout ça grâce au tremplin en fait souvent, et aux opportunités que donnent certaines assos, et c'est cool. Plan séquence des hanches étalées sur moi. Bah en fait les seules dates que j'ai faites qui étaient un petit peu officielles, c'était c'est des gens qui sont venus me contacter. Et sinon après tout le reste en fait c'est des tremplins pour la majorité quoi. Perdu dans tes pensées, t'es si fascinante et même les longs silences. Parce qu'en fait c'est vrai que c'est un peu la galère de trouver des dates quand on est en indépendant et qu'il n'y a personne derrière. Du coup il n'y a pas de contact. Et en fait Smart Music Tour ça permet de faire le relais entre les artistes et les salles. Du coup ça c'est vraiment une bonne initiative. Peut-être ça l'amour, on en a fait des allers-retours. Si tu pouvais inviter n'importe qui, vivant ou mort, à un de tes concerts, qui serait-ce? N'importe qui. Bah en vrai je dirais
genre George Martins, comme ça il voit que ce que je fais c'est cool, et du coup il peut me produire et je deviens aussi comme les Beatles. Quelle est la chanson que tu chantes sous la douche? Je sais pas. Si. C'est comment elle s'appelle? Make You Mine, je crois, de Public. Put your hands in mine. Pépite, mais c'est un groupe Pépite déjà. J'adore Pépite, voilà. Studio. Studio, moi ça me fait penser à Abbey Road, parce que c'est un studio incroyable. Et voilà, j'adorerais aller là-bas, ce serait trop bien. Du coup, en fait, j'ai amené les billets de train du jour où ma copine a raté le train Paris-Lille, et du coup, ça a inspiré cette chanson que je vous ai faite juste avant, qui était Easier. Donc voilà, en plus, vous avez toutes ces coordonnées personnelles. Super. Reste ici, reste ici. Du coup, moi je suis en pleine session d'arrangement en ce moment pour un EP qui arrive d'ici mars, donc cet hiver, au milieu décembre, au pire mars. Voilà, c'est beaucoup de boulot, du coup là j'ai vraiment la tête dedans, mais ça va être vachement bien. Du coup, les clips ils iront avec le projet sûrement. Il y en aura 3 si ça se fait, mais ça va se faire. Reste ici. Merci beaucoup, Zig Corner. On vient de finir l'interview pour Zig Corner et le petit live. Vous pouvez me retrouver un petit peu partout sur internet, sur Insta, sur Spotify, tout ça. C'est Ara officiel. Voilà, tout simplement. Et puis, gros bisous. La fumée nébulée me fait déballer des bulles de moi. Et on dirait que ça t'intéresse encore un verre au cœur.